mon catalogue. Mes gants. Pour me protéger du froid, mes gants se dédoublent en deux paires bien distinctes, l'une en cuir, l'autre en laine angora. Mes bretelles, motif cachemire. Ma superbe paire de bretelles élastiques imprimées cachemire est fabriquée dans la plus pure tradition britannique. Le détail qui compte, les pinces de réglage en laiton, référence indispensable pour le puriste que je suis. Au hasard, mes sacs 2 en 1 noir et jaune. Avec ce système 2 en 1, je peux enchaîner rendez-vous sportifs et mondains. Version sport, je glisse mon sac noir dans mon sac jaune. Et version chic, je fais le contraire. Mon cabas rappelle les iris peints par Van Gogh à Saint-Rémy en 1889, une période d'intense production artistique durant laquelle l'artiste exécuta 150 toiles en l'espace d'un an. Mon sac photo et vidéo. Mon sac destiné à mon matériel photo et vidéo est un sac à dos muni de deux compartiments indépendants et d'une large poche frontale en renfoncé avec de la mousse en cuir vachette pleine fleur camel, élégant et robuste. Je sors avec en ville sans complexe. Et vous, vous en avez combien de sacs? Mon gel douche exfoliant. Pour préparer ma peau, ces fines particules gomment mes cellules mortes et mes rugosités. Plus lisse et plus nette, ma peau respire. Ces actifs revitalisants et réparateurs aux oligoprotéines végétales lui redonnent souplesse et fraîcheur. Plus tonique, ma peau profite au mieux de l'action de mes amincissants et de tous mes autres produits de soins. Mon gel moussant antibactérien, je l'utilise matin et soir pour nettoyer ma peau en profondeur sans l'agresser. Débarrassé de l'excès de sébum, mon visage est plus pur, plus frais. L'action de mon gel moussant est encore plus efficace avec un brossage léger sur les parties les plus grasses, mon nez, mon front et mon menton. Mon catalogue suite. Mon classeur personnel de recettes, avec ses chapitres ordonnés, potage, entrée, viande et cépages structurés, nom de la recette, marché, réalisation, temps. Mon classeur de recettes m'offre le plaisir de pouvoir écrire mes propres recettes. Ainsi consignées, je les retrouve toujours facilement. En attendant, je les laisse sagement mijoter dans la bibliothèque familiale où elles restent rangées de génération en génération. Ma poêle woke. Depuis que je l'ai essayé, je ne puis plus m'en passer. Ma poêle woke me permet de tout cuisiner. Sa couleur vive fait que je n'ai aucune honte à la porter à table. Ma poêle téflonnée, je dois les extraordinaires qualités anti-adhésives de ma poêle à son revêtement traité téflon 5 épaisseur intérieur et extérieur. Outre son pur design italien, son fond a été rectifié et poli à l'aimerie. Mon catalogue. Vous avez reconnu Claude Kloski, mais il n'y a pas de nom d'auteur. Mon moulin à muscade transparent. Pour râper mes noix de muscade sans y laisser les doigts, je me suis offert un moulin transparent qui me permet également de les conserver et de savoir combien il m'en reste. Mes presse-citrons individuels en acier inoxydable sont idéales. Lorsque je sers un plateau de fruits de mer ou de saumon fumé, ils me permettent d'extraire le jus de quartier de citron en évitant toute projection intempestive. Mon masque de l'espace. Je me suis offert un voyage sur Mars en invitant chez moi un extraterrestre. Pour la plus grande joie de mes enfants et amis, mon masque de l'espace au design futuriste transforme mes paroles en un son électronique étonnant, aigu ou grave, profond ou métallique, sympathique ou effrayant. Le résultat n'en est que plus surprenant. Mon secret, un micro dissimulé dans mon masque, est relié à un simulateur de voix qui s'habille de lumière clignotante à chaque variation de son. Mon téléphone électronique. Il est élégant, compact et très performant. Grâce à ce téléphone à fréquence mixte, je peux appeler deux
correspondant et conversait en même temps sur la même ligne, renvoyer temporairement ma ligne sur le numéro de mon choix, être prévenu par un bip sonore, des appels en instance. Dans tous les cas, mon appareil m'assure toutes les fonctions classiques. Il est aussi doté de la touche de rappel automatique de dernier numéro et de la touche anti-indiscrétion. Claude Kloski, mon catalogue. Dernière, mon copieur vidéo. J'ai toujours énormément de plaisir à revoir mes vieux films, photos et diapositives de vacances, des souvenirs agréables à évoquer, qui sont autant de nouveaux éclats de rire en famille ou entre amis. Visionner à nouveau mes films Super 8 sans sortir mon projecteur, mes bobines et mon écran et regarder mes photos et mes diapos en toute facilité est devenu possible grâce à mon copieur vidéo. Un appareil ultra perfectionné qui me permet de tout refilmer facilement sur mon caméscope grâce à un procédé qui me garantit une reproduction fidèle de l'image, film, diapositive. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'à glisser une cassette dans mon magnétoscope pour passer d'agréables moments. Claude Kloski, mon catalogue. Kenneth Goldsmith dans Uncreative Writing cite largement, copieusement ce livre. Donc on n'est pas dans une démarche littéraire, puisque Claude Kloski est artiste plasticien, enseigne aux Beaux-Arts de Paris. C'est pas d'aujourd'hui qu'il est dans le métier, il compte dans cette façon comme ça de travailler avec nos contextes ordinaires. Simplement là, il n'est pas dans exposer des presses citrons ou faire un montage dans une galerie avec une paire de bretelles. Il est dans le texte et le pur texte. Est-ce un livre ? Il n'y a pas de nom d'auteur. Mon catalogue. Il n'y a même pas d'éditeur. Il faut vraiment aller chercher dans l'achevé d'imprimer pour voir qu'il ne s'agit pas vraiment d'un éditeur, mais d'une institution, le FRAC Limousin, je crois que c'est ça. Édition FRAC Limousin, les coopérateurs, impasse des Charentes, 97100 Limoges, téléphone 05 55 77 08 98, fax 05 55 77 90 70, avec le soutien du Conseil régional du Limousin et du ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Limousin. Prenez le début. Ouf, comme ça. Là, vous avez le nom d'auteur, Claude Kloski. Mais immédiatement, regardez ce scandale. Même pas de fausse page. Le texte commence à gauche, comme ça. Marche de merde, pas de sous-titres. Les pages sont même pas numérotées, regardez. Rien dans le dessous, comme ça, ici. Et qu'est-ce que c'est ? À peine un fichier Word justifié. C'est de l'interligne 1,5, c'est tout ce que je gueule après les étudiants sans cesse. Ici, on saute une ligne et puis on a le titre. Et le titre, il est même pas, c'est juste qu'on a pris la même ligne qui est centrée. Non, mais franchement, c'est du boulot, ça. C'est-à-dire, c'est la négation du livre jusque dans la présentation, jusque dans le matériel, puisque c'est du papier à la chaux vive et de photocopie carrément. Et si vous allez vers la fin, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui explique ? Non, il y a le dernier truc, ma porte de garage motorisée, qui vient après mes volets roulants, mes caméras de surveillance, mon coffre-fort, mon interphone, ma sonnette sans fil, ma plaque de maison victorienne, mon paillasson nouvelle génération. Donc excusez du peu, cette espèce d'enfermement, cette espèce de coffre-fort généralisé avec caméra de surveillance et tout ça, les signes du monde, ils y sont. Et c'est de même qu'on a les signes du monde quand on attache les choses qui sont sur le corps. J'ai lu les bretelles, mais j'ai lu aussi tous ces machins, ces espèces de gel douche et tout ça. On nous fait grâce de rien. Ma brosse à dents argent, mon pèse-personne médical, mon thermomètre parlant, ma brosse à dents ionique, mon pager, mon télécopieur, ma parabole, mon amplificateur d'antenne, qu'est-ce que j'ouvre encore ? Mon Global Position System, mon podomètre, mon curvimètre, mon cabas, je l'ai lu, mes chaussettes ville, mes duo chaussettes et cravates, mes chaussettes en fil d'Écosse, etc. Donc il y a le corps, mais il y a évidemment tout le vocabulaire de la consommation organisée, tout le vocabulaire de la promiscuité urbaine, et est-ce qu'il en fait de la poésie ?
Ben non, c'est pour ça que Goldsmith retient ça dans ces trucs de qu'on va traduire sous le terme de écriture sans écriture. Pour chaque objet qui est arbitrairement ce que nous impose comme ça notre contexte social, mais qui sont aussi notre contexte le plus intime. Qu'est-ce que j'ai moi ici? J'ai mon casque à écouter de la musique. J'ai mon petit trépied pour faire de la photo. J'ai mon porte-monnaie à 9 euros de chez Auchan parce que j'en ai eu marre de me le faire piquer dans le train, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a chacun comme ça un écosystème de ce qui nous relie. Vous voyez qu'on est loin de la notion d'objet telle que moi j'ai pu la développer dans Autobiographie des objets, mais qu'on a chez Rogine de Tambel, chez Jean-Loup Trassard, chez Bergougnoux évidemment, chose qui dérive aussi de la relation des mots aux choses bousculées par Francis Ponge. Alors, qu'est-ce qui m'étonne, moi, là-dedans? Ce truc-là, il n'est pas disponible. Je l'ai trouvé d'occasion, je l'ai payé 29 euros. Ceci dit, les catalogues de Claude Kloski, il y en a d'autres que celui-ci, et ils arrivent à circuler. Mais croyez que c'est des collectors, et croyez que celui-ci, même pour le double, 29 multiplié par 2, 58, 58 euros, je vous le vends pas. Pour moi, quoi? Oui, c'est au niveau de Tarkos et autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que en 1999, date où... à laquelle Claude Kloski imprime et fait éditer cet ensemble considérable, parce qu'on a quand même pas loin de 200 pages, avec environ 2 ou 3 par truc, donc on a 400 ou 500 notations comme ça précises dans cet écosystème de ce qui nous relie à notre corps, nos habits, à nos circulations, à nos manières les plus intimes d'habiter, de circuler. Et bien, il prend chaque fois le texte, le coup de force. Et c'est ce que dénote Kenneth Goldsmith, c'est de dire je, de dire mon. On fait un coup d'état sur le pronom ou l'article possessif. Et par contre, la matière qu'on rentre à l'intérieur, c'est le mode d'emploi. C'est la façon dont c'est décrit maintenant sur Internet, la façon dont c'est décrit sur les publicités. Mais tout simplement dans les catalogues. Rappelez-vous, même encore en 99, ce qu'on pouvait avoir entre La Redoute, Les Trois Suisses, Galerie Lafayette, etc. C'est-à-dire cet accompagnement de langage qui fait que, quel que soit l'objet qu'on considère, il n'est jamais un objet neutre ou évincé du langage. Il est en lui-même, même dans ces questions politiques, sociales, anthropologique, dans son rapport à mon corps, à l'autre, à la parole et à la façon dont je me brosse les dents pour parler droit devant, il est aussi un ensemble de langages, c'est-à-dire chaque désignation, comme ça, est chose, technologie, relation, et en même temps langage, et en même temps ne se produit comme tel que par l'intervention de celui qui les dresse ensemble. Il a fallu un plasticien. Vous voyez, on n'est pas chez POL, alors que POL, à la même époque, publiait Christophe Tarkos, qui est très voisin esthétiquement de ces choses-là. Ben, nous, aujourd'hui, on a à bousculer ces choses-là encore. À quel moment ces états de texte-non-texte, hein, c'est-à-dire, et en même temps, pour ce qui s'agit là, vous voyez comment en 15 ans, on n'a plus les mêmes téléphones, on n'a plus les mêmes magnétoscopes, par contre, on a toujours les caméras de vidéosurveillance, par contre, on a des ensembles beaucoup plus flous comme ça dans les relations. J'arrête de baratiner. Où sont les frontières de la littérature? Où sont les frontières qui nous disent toi auteur, toi artiste, toi, etc., etc. Et comment il est grand temps d'installer nous notre propre coup d'État là où Claude Kloski, avec mon catalogue, a fait un putain de coup d'État, et que la littérature, tout simplement, il était bien trop tôt pour qu'elle s'en rende compte. Ceci n'est pas un livre. La preuve, la façon dont il est torché, assemblé, dépourvu même de nom d'auteur. Et pourtant, on a là quelque chose de littérairement vital, nécessaire. Vous avez bien compris que c'est une nouvelle série que j'entame sur ce journal vidéo, mais sacrément envie d'y aller. Bye!